C'est la Zouanze incarnée, une certaine belgitude. On a tous chanté un jour une de ses chansons. Il est là pour nous ce soir, mesdames, messieurs, le grand Jojo. Depuis que les autres pays s'affrontent, ça mène à Mexico. Dans les coulisses, on dit que pour nous battre, faut se lever tôt. Ils savent qu'on est très fort et rapide comme des mosquitos. Et que sur le terrain, on va plus vite que les escargots. Quand on chante sur la balle, y'a plus rien qui peut nous stopper. Je vous en prie. Attention les copains, ça va partir comme une fusée. Les supporters sont là par milliers devant la télé. Voilà. Allez les gars, oui, courage, oui, si oui, on est là, c'est pour gagner. Et viva Mexico, enlevez le sombrero. Oui, oui. Et du belge, chante à Mexico. Olé, 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 olé. Viva les chiens. Non mais... Viva les chiens. Est-ce que... Olé, 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 olé. Excusez-moi. Viva les chiens. Bon, est-ce que... Non, non, non. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut rappeler Vladimir Poutine? Ça va beaucoup plus vite. Bon, bonsoir, grand Jojo. Salut les pays, salut les quêtes, salut tout le monde. Vive les trompettes. Quelle ambiance extraordinaire. Ah ben. Et vous êtes surpris? Oh ben, évidemment, je suis surpris. C'est nul, c'est nul. C'est mou, on dirait du boudin, fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plus d'ambiance à la fête d'anniversaire de ma grand-mère. Ah bon, ben vous trouvez, vous. Enfin, qu'est-ce que c'est ça ici, hein? Tu sais que moi j'ai fait les forêts nationales, tu oui, sais. Oui, oui, oui. Et là, je peux te dire qu'il y avait de l'ambiance. Tout le monde était debout, hein, sur les tables, éléphants, et tout le monde. Et à un moment donné, on m'a dû arrêter, hein. Ah bon? On a dû. Ben, vu notre âge, il y a eu des morts. Ça sentait le pipi de Zine que partout. Oui, 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 ouais, ouais. Alors, tout le monde. Non, mais... Allez. Bon. Alors évidemment, bon ben on vient de le voir, tout le monde a encore votre titre emblématique Mexico 86 en tête. Hein. Ça, j'ai même pas compris pourquoi ils l'ont jamais pris avant cela. Bon. Et tu sais que Vive en Mexico, je l'ai proposé bien avant. Hein. Ah bon? Je l'ai proposé en Suède en 58. Je l'ai proposé en Chili 62. Je l'ai proposé en England 66. Je l'ai proposé en Deutschland 74. Je l'ai proposé en Argentine 78. Je l'ai proposé en Espagne 82. Pas de bol, nada, rien. Ils n'ont jamais pris. Non, mais enfin, ça ne se déroulait pas au Mexique. Et maintenant que tu me le fais. Mais oui. Enfin, bref, je vais te dire quoi, Mandeke. Oui. En 86, hein, oui. Je suis arrivé. Et tout ce que j'ai fait, c'est mettre un petit sombrero. Oui. Et. Le petit beurre. Ah non, le petit beurre. J'entends le petit beurre. Non, non, non. Par pitié, c'est bon. On va pas la refaire à chaque fois. Parce qu'on ne peut pas le faire à toutes les Coupes du Monde. Hein. Ça n'est pas possible de le faire à toutes les Coupes du Monde. Hein. Bon, allez, on va arrêter de chanter ça. Ça commence à me miner. Donc, ce soir, vous venez donner votre avis sur la polémique d'Amso qui a provoqué un tollé, quoi. Hein. Exactement. Tollé. Non. Tollé, tollé, tollé. Non. Je savais que ça allait tourner comme ça. Je le savais. Je vous parlais de d'Amso. Ouais, ouais, ouais. Ça, je trouve que c'est une polémique pour rien. Tu sais, je vais te dire une chose, Young. Ouais. Allez, tu regardes le pays. C'est quand même un stouffer quand tu le regardes. Bah. Et moi, je me dis toujours, bon, faut comprendre aussi les paroles de ces titres et de ces chansons. Hein. Bah. Tu prends par exemple, Inch'Allah. Tu prends Tombe la neige. En Belgique, ça c'est dangereux. Non, c'est pas Adamo, c'est Damso. Damso. Excusez-moi. Ah ouais. Bon. Vous voyez. Ah, Damso. Oui. Le zouette, là. Oui, oui, oui. Non, je non, 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 non. Attention à votre vocabulaire. Votre vocabulaire. Parce que justement, le zouette... On peut plus dire noir maintenant. Mais non, mais... Bon, OK, si tu veux. Hein, le Dickeneck chocolat. Non. Qui veut piquer ma place au 8 parade. Bon, okay, écoutez, grand Jojo, est-ce que vous pouvez comprendre que certains termes utilisés pendant cette période que nous vivons peuvent être discriminants, voire injurieux vis-à-vis de certaines communautés? Non.
Non, non, si on peut même le dire hit parade, c'est trop English ou mais pas? Mais non, mais bon, vous avez écouté les chansons de Damso? Évidemment que je les ai écoutées, inquiète, il est marrant, lui, Klaskop. Attends, je vais te montrer ici, j'ai un petit papier qui reprend, hein, oui, tel quel. Hein, au début, j'ai voulu le lire, j'ai pensé que c'était du lingala ou quoi, qu'est-ce, parce que je ne comprends rien. Oui, oui, oui. Hein, alors, bon, celle-là, elle s'appelle Que du Salvi, hein, ça, je te lis. Hein. Oui, oui, oui. Déjà, tu ne comprends pas le titre? Je ne veux même pas aller chercher le refrain. Bon, bref, je lis. Oui. La bourgeoisie, j'y ai goûté. 7000 euros, maman a touché. Bon, déjà, il n'y a pas de rime. Alors que la rime, c'est important, oui ou non? Oui. Je te demande, oui ou non? Oui, non, mais oui, bah, bien sûr. Voilà. Oui. Tu me dis oui, alors tu le dis, tu le mais dis. Non, mais je le dis, bon, ben. Ah, voilà. Moi, quand je chante Sergent Flagada, il y a de la rime. Hein. Ben. Excuse-moi. Non, mais toi, tu rimes, mais écoute une fois. Demande à une de tes clètes de mettre un peu. Oui, oui. Voilà, coupe un peu. Là, tout le monde a compris qu'il y a de la rime. De la rime riche, hein, comme les plus grands. Je ne sais pas moi. Barbara, Gainsbourg, Piaf. Hein, Flagada, soldat, bras, nouchia. Je pense qu'il te faut de plus. Hein. Non, non, mais il me faut rien. Le jeune, moi je dis, il faut travailler un peu plus, hein, parce qu'il écrit comme il parle à ses cousins. Hein, moi, je ne sais rien. Faire, hein, bon. Alors, enfin, attends la suite. Hein. Oui. La bourgeoisie, j'y ai goûté. 7000 euros, maman a touché. Oui. La pauvreté, j'y ai goûté. 700 euros, maman a touché. Bon, le quête, il s'est calculé. Ça, il n'y a pas de problème. Bon. Je continue. Hein. Oui. Parce que là, on n'est toujours pas dans du Richard Anthony ou quoi. Oui, non, on est bien d'accord. Je continue. Hein. Bon, il se demande pourquoi je fais le sale nègre. Alors lui, il peut dire nègre et moi, je ne peux pas dire nègre. Non, mais non, attendez, non, mais c'est pas faut ça. Savoir, hein, y a peut-être un peu de racisme là-dedans. Oui. Je continue. Hein. Si j'avais le choix de faire bien autre chose sans business, l'écho, tu proposes, soit tu fermes ta gueule, à tout jamais, mais ça, y a un mot que je ne peux pas dire. Hein. Oui, oui. Enfin, je crois qu'on a compris. Parce que ça rime avec frites. Oui, non, non, mais on a bien compris. Oui, on a bien compris. Voilà, ça je ne peux pas dire. Hein. Non, parce qu'à un moment donné, il parle de turfu. Oui. Hein. Tu sais, du turfu. Alors, je ne sais pas ce que c'est le turfu. Hein. C'est peut-être un plat typique de chez les Bambola ou quoi? Non, écoutez, il faut arrêter les termes qui pourraient être perçus comme injurieux. Excuse-moi, là, tu veux peut-être que je dise Niakoué alors? Non, mais non, mais c'est pas ça. C'est un plat de chez les Niakoué peut-être, oui, j'en sais rien. C'est... Non, mais turfu, c'est du verlan. C'est du verlan. Turfu, c'est le futur. Gelsarbadi. Pardon? Je parle Jens aussi, hein, Gelsarba. Je ne pas parler Jens, c'est pas ah, oui, il oui. a compris. Chef, oui, mais un pour... petit ouinge. On veut mes fûts. Chef, un petit ouinge, on veut mes fûts. Oui, d'accord, oui, ça va. Chef, un petit ouinge, on veut mes fûts. Bon, mais... Un tout petit ouinge, on veut mes fûts. Bon, vos gueules, maintenant. On veut mes fûts. On veut mes fûts. Hey, attention, hein. Et j'ai rien contre le quête. Après tout, c'est que de la chanson. Hein, oui, non, mais bon, l'Union belge ne peut pas cautionner un artiste qui chante des textes sexistes où il tient des propos violents à l'encontre des femmes. Ça, ce ne sont pas les valeurs qu'ils défendent. Ce ne sont pas les valeurs qu'ils défendent. Par contre, aller jouer dans un pays hein, où ceux qui sont dans la jaquette ils sont maltraités, ça gêne personne. Hein. Non, mais d'accord, mais ce n'est pas le propos. Aller dans des stades où des supporters crient des cris de singe pendant le match de football, ça ne gêne pas. Oui, non plus, mais d'accord, je suis d'accord avec ça. Et l'Union belge, hein, envoyer les diables aller jouer dans un pays où on jette les migrants dans des avions et où les centrales nucléaires sont prêtes à péter tout le temps, ça gêne personne. Mais hein. Votre vision de la Russie est quand même. Je parle de la Belgique. Hein. Je vais te dire un truc. Oui. Je te dis quelque chose. Moi, j'ai proposé à l'Union de faire une fusion avec le Damso. Hein. Un duo? Non, pas un duo, une fusion. De faire un seul artiste de nos deux entités. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Tu sais quel nom on voudrait se donner? Non. Le grand Damso. Le grand Damso. Pas mal, ça, hein? Ah oui. Et tu sais quoi? Je vais te dire le bazar. L'hymne du diable. Oui. Eh bien, moi, j'en ai écrit un aussi. Et si tout le public le veut, eh bien, je vais chanter. Alors... Musique! Au diable russe en vent chez les soviets. Les Russes, crois-moi, ça est pas des tapettes. Compagnie va exploser ses gambettes. Et Kevin De Bruyne s'en battre les roues. Chez les tsars, au diable chez les tsars. Ça leur fera une belle jambe, une jolie paire de jambes. Une petite jambe à cette bande de riches. Ha ha ha!
Merci, grand Jojo, on vous accompagne. Merci. Allez, on va manger les sables. Allez, on va manger les sables. Allez, on va manger les sables. Allez, on va manger les sables.